Bonjour Barbara, bonjour Spello. Bonjour. Quel rendez-vous annoncez-vous à partir de lundi? Uso Mashimaore à partir de 19h45, bien sûr. Du lundi au vendredi. C'est une histoire, donc Moussa qui avait perdu sa bague, pour résumer. Hein. Uh-huh. Et donc on disait Moussa, Ntsapere, Moussa, puis voilà, c'est devenu Ntsapere, c'est ça hein? Je ne sais pas. Le grand fondé, c'est à l'Ibédia. Et donc, on a une partie leçon et puis une partie mot du jour. Dans le mot du jour, on explique les noms des localités en grande partie. Et c'est très intéressant parce que très souvent, on les dit, mais on ne les connaît pas. Et là, c'est l'occasion de commencer doucement, doucement à découvrir les quelques-uns qu'on vous présente à la télé, mais aussi à commencer à cogiter pour le reste parce qu'on ne va pas tout donner non plus. Voilà. Pourquoi on ne donne pas tout? Parce qu'à la télé, on n'a pas le temps de tout dire. D'accord. 3 minutes, c'est peu pour toute une langue. Ça, c'est primo. Secondo, quand on initie pour que les autres, les initiés, volent de leurs propres ailes. Moi, j'ai une petite question pour vous deux. Est-ce que ce n'est pas compliqué donc, de s'aventurer dans cette émission en se disant on va apprendre maoré au maoré? Et pourquoi les Français prennent des cours de français pourtant? Je crois que la volonté de l'émission, c'était donc d'intéresser, comme le disait Gérard, tout le monde, c'est-à-dire les gens qui parlent déjà le chimaoré et ceux qui ne le maîtrisent pas du tout. Et je crois que la partie qui va accrocher plus les gens qui parlent déjà le chimaoré, c'est toutes les infographies écrites qui apparaissent au fur et à mesure du déroulement de l'émission. D'accord. Donc on apprend à parler et à écrire en même temps. C'est-à-dire que les gens ici maîtrisent tout le côté langage oral, puisque c'est une langue orale, mais qu'il manque encore beaucoup cette base écrite. D'accord. Et cette base écrite, c'est, je pense, ce côté-là qu'on propose davantage aux gens qui maîtrisent le chimaoré, parce qu'il y a tout un tas d'infographies qui apparaissent les unes après les autres. Rassami fait partie de ces gens qui tentent de poser... Les choses, de poser la langue de façon écrite. Mm-hmm. Et je crois que ça peut faire du bien à tout le monde d'essayer d'avoir une unité dans la langue écrite, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Et on le voit d'ailleurs tout sur les panneaux, sur les 4x3, c'est exactement. Très... On l'écrit en fait simplement comme on l'entend, qu'il y a une autre façon de l'écrire. Et est-ce que justement on aura l'occasion de retrouver des mots qu'on a oubliés? Par exemple, nous on parle maoré tous les jours, mais je pense qu'il y a plein de mots qu'on n'utilise plus. Est-ce qu'on aura l'occasion de les retrouver avec vous? J'avais envie d'abord de rebondir sur la question d'avant. D'accord, allez-y, Nous voulons proposer au plus grand public quelque chose d'archi simple, leur montrer que la langue d'ici aussi peut être enseignée comme les autres langues. Là, on nous en donne l'occasion. Parce que les gens ici, quand ils parlent d'apprendre le chimaoré, dans leur tête, ils parlent de ce qu'on appelle le dhamir, le vocabulaire basse. Mais là, on leur montre que c'est une langue complète. On peut faire de la grammaire, on peut faire bien des choses dedans. Et pour ce qui est des mots, bien sûr, on ne peut pas enseigner une langue sans utiliser les mots de la langue, et là-dedans, chacun a son niveau et chacun découvrira un vocabulaire qui l'échappait ou qui l'échappe. Et donc, oui à la question que vous avez posée en dernier lieu. D'accord. Rastami Stello, vous qui défendez la langue maoraise comme ça, vous n'avez pas peur que ça devienne un petit peu comme le créole? À force de mélanger le français, le maoré, où vous croyez en nous, vous pensez qu'on arrivera à préserver cette langue? Et le créolophone protesta énergiquement. Ben, le créole, justement, il y a un combat qui a été mené. La graphie du créole est codifiée. J'ai oublié, en fait. Et tous les 28 octobre, nous avons une dictée créole que nous D'accord. faisons en radio, télé, universelle. Tout le monde se met derrière son cahier. C'est très beau à voir. Il y a un texte qui est dit par les professeurs de créole et tout le monde fait le créole. Donc, vivement la dictée maoraise. Mm-hmm. Absolument. À votre question, je n'ai pas peur. J'ai peur d'une seule chose. Du retard que pourrait prendre le vice-rectorat pour faire en sorte que les chimaoré s'apprennent vite. L'option chimaoré au bac. Le chimaoré doit absolument s'inscrire comme une matière scolaire, qu'on l'apprenne à l'école. Quand je dis les chimaoré, je parle aussi du kibushi.
il faut que ça s'apprenne rapidement parce que ailleurs les autres langues s'apprennent. Le shimaoré est un des éléments qui peuvent contribuer à la réussite de la scolarité de nos jeunes ici parce que plus ils sont nombreux à entrer dans l'école publique et plus le résultat scolaire baisse parce qu'ils partent, ils entrent pas totalement dans l'école, une moitié de nos enfants entrent, mais la grande partie, c'est-à-dire la langue et la culture, ne suit pas. Donc, tant qu'ils ne seront pas, complets là-bas, sur les bancs de l'école, ça n'ira pas. Donc, très rapidement, nos langues doivent avoir leur place là-bas. C'est de ce retard-là que j'ai peur, mais chaque langue doit se nourrir. D'accord. Si le shimaoré doit se créoliser, par créoliser, vous entendez... puiser deux mots dans exactement, le français. Exactement, le mélange français-mahoré. Le créole qui est une très belle langue, n'est-ce pas? Ça voudrait dire que ça, le français... Interdit de zouk pour un an. Plus de place aussi à Mayotte. Ce qui n'est pas étonnant, ce qui est bien, puisque de tout temps, depuis plus d'une quarantaine d'années, nous apprenons le français. Et donc, si ça ne se ressentait pas dans la langue, ça serait le signe d'un échec, quelque part. Donc, ma peur n'est pas dedans. Ma joie plutôt serait que la langue s'enseigne pour qu'on puisse avoir certaines personnes qui parlent en shimaozung, c'est-à-dire en ton créole. En shimaozung là. Oui, en shimaoré, shizungutisé, si vous voulez. Et d'autres qui parleraient un shimaoré, j'allais dire, authentique d'un certain temps et d'un certain ton. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle une langue vivante en fait. Absolument. Ce n'est pas une langue vivante. Absolument. Le français dit week-end, il ne dit pas fin de semaine. Yes. Ok. Moi, j'ai appris plein de choses. Ça va continuer comme ça tous les soirs, en fait, sur Mayotte Première, c'est ça? Yes, à 19h45. Mm-hmm. Et nous attendons du retour, beaucoup de retours. Les gens connaissent mon numéro de téléphone. Les gens connaissent le numéro de téléphone de Mayotte Première. C'est un essai. Et la page Facebook. Oui. Si ça plaît, qu'on nous dise que ça plaît, si... ils pensent que c'est trop court qu'on nous le dise. S'ils pensent qu'on doit changer des choses ou rajouter d'autres choses, qu'ils nous le disent. D'accord. Tout ouvert. Voilà. Vous êtes au retour. D'accord. Au contraire. On ne dit pas retour, on dit feedback. Feedback. Excuse-moi. Je plaisante. Je dis 16. Ça attaque. Hein. Et hop. Ça va bien ce matin. Je suis très taquin. Et ça, c'est du franglais. Hein. C'est ça. Tout à l'heure, on a eu le shimaozung et là, avec Gérard, on a le franglais. Le shimaozung. Ça serait cool de pouvoir parler à Mayotte Première avec le shimaozung. Mais c'est ce que vous faites tout le temps, vous parlez. On essaie de limiter quand même. Limiter, yes. Ça serait beaucoup plus facile. Je vais plutôt moi essayer plutôt d'apprendre moi, de vous. Moi je peux vous apprendre. Essayer de vous mimer. Oui. Moi j'apprécie hein, le shimaozungu parce que comme ça je capte un petit exactement. Peu mieux. Exactement. Comme tout à l'heure quand je disais à Sergent, tu peux mboua le tapis. Waouh. Voilà. Ça, je pouvais pas te dire. ça veut dire quoi? Tu as compris Amina. Tu peux mboua le tapis, ça veut dire. Dérouler le tapis. Voilà. Bon voilà, moi j'ai compris donc. Wow. Ça serait plus simple de parler comme ça. Oh, très souvent ici à Mayotte, certaines personnes adorent la simplification. Mais la simplification à outrance est une perte grandiose. Donc d'accord que quelque temps on puisse simplifier des choses, mais pour un temps. Mais si on simplifie tout, l'authenticité de notre langue pourrait se perdre. Alors que le shimaoré... c'est une langue d'une succulence assez pointue. Ooh. Très pointue, je confirme. Et vous avez appris quelques mots? Oui, on a déjà fait des cours pendant un moment, donc on a déjà une petite base, on va dire. Par exemple, une phrase basique comme ça. Nisoufanyazi. Nisoufanyazi. Et monsieur Gérard Guillaume? Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a appris? Niamuhihu manglia de wad kulawuku. Ah, mais c'est dégueulasse, j'aurais pu me préparer aussi. Ah non, j'ai pas, non, je savais pas, je ne savais pas. Tu mets la dent, les haches aspirées et tout. Non, mais c'est Spello qui m'avait envoyé. Avec le Nisofania Hazi, vous avez haché le hache. Donne-moi la bonne prononciation là. De quoi? De ce que je viens de dire. Non, on ne corrige jamais quoi que ce soit à l'antenne, c'est la bonne. Merci. Ça c'est la musique de ma jeunesse. Ouais, idem. Je vous en dirai un mot. Comment on danse ça, monsieur Spello? Je me vois danser. Moi, je vais me voir danser. Il ne manque plus que les dreads là.
cœur après d'être serré. Après, c'était facile à danser, fallait juste être un petit peu malade et avoir le mal de mer, non? Prends ta photo, dit Tomeling. Papa Joe a chanté ça. Ben, et j'ai envie de demander à Spello de nous mimer un cours pour finir, là, maintenant. Un cours qui me vient à la tête. Mm-hmm. Attends, qu'est-ce que Cavani. Cavani. Expliquez Cavani. Mais... Voilà. Alors, Cavani, c'est un mot composé de cava, qui veut dire plat, et de ni, qui indique le lieu. Cavani, c'est l'endroit plat. Voilà. Et c'est aussi un quartier dans la capitale de Bilachaka. Merci beaucoup. Merci Yumna de l'accueil. Est-ce que vous pouvez juste remimer le Kavani? Alors, il faut dire, les, gens, est, les auditeurs pourront voir ça sur Facebook voilà, tout à l'heure. Hein. Voilà. Si vous êtes en train de vous demander mais qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant une demi-heure à la radio, allez voir sur Facebook. C'est, ça vaut le détour. Hein. Entre les pas de danse de Bob Marley. Ah, ça aussi, c'est sur Facebook. Ah oui, on a tout gardé, okay, bon, monsieur Spello. Super. On va vraiment être sérieux. On rappelle vraiment ce rendez-vous, cette exclusivité. Usuma Shimaore, donc à 19h45. Tout à fait. À et j'invite tout le monde à venir. J'invite tout le monde à regarder ça, à suivre ça. C'est important pour tout le monde. C'est important pour la famille, donc on espère oui. que justement les parents pourront appeler les c'est, enfants. C'est important pour ceux qui nous apostrophent ensemble. Tous les jours pour demander des cours de Shimaore. Là, on vous les amène à la maison, dans le salon. Donc que tout le monde soit prêt, 19h15. Pour Mayotte aussi, je crois. Exactement, pour les plus âgés ou pour les moins oui, âgés. Oui, pour Mayotte, pour tous les Maorais, mmh. préserver leur langue, leur culture. Et les Maorais, tous ceux qui vivent ici. Bien sûr. C'est et même fait en langue de Molière, donc accessible à tout le monde. Voilà. Ben, on va pas rater ce rendez-vous. On espère. On rappelle, c'est à partir de lundi prochain, 19h45, au Fungia Shimao. Ben, vous voyez, si vous ne le dites Usoma. Pas, vous aussi. Usoma, allez, on recommence. Uh-huh. Recommencez de la date, l'heure, allez, c'est dire. Alors, c'est à partir du lundi, à 19h45, c'est du lundi au vendredi. D'accord, jusque-là, j'ai compris. À partir de 19h45, rendez-vous dans l'émission linguistique qui s'intitule Usoma Shimaore. J'adore. Ouais. Ça fait Usoma Shimaore. D'accord. C'est noté.